Nous voici rassemblés dans la joie pour la célébration du sacrifice du Seigneur qui consacrera cette nouvelle Église. La première fut détruite par le tremblement de terre de 2010. Participons à cette liturgie avec ferveur, en accueillant dans la foi la parole de Dieu. Ouvrez-vous, portes éternelles, laissez entrer le roi de gloire. C'est le Seigneur, le Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Ouvrez-vous, portes éternelles, laissez entrer le roi de gloire. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Ouvrez-vous, portes éternelles, laissez entrer le roi de gloire. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Franchissez la porte du Seigneur. Entrez dans sa demeure avec des hymnes, rendez-lui grâce et bénissez son nom.
Père Jésus, bien-aimé, rendons grâce à Dieu, lui qui nous sauve en Jésus-Christ. Rendons grâce à Dieu qui en son Fils prend la place des pécheurs. Rendons grâce à Dieu qui par des principes personnels, qui fait de tout nous gagner place nous dans le royaume, nous gagner place nous dans l'Église et nous gagner place nous particulièrement dans la belle Église de Saint-Germain. Même si ma mère n'est pas rentrée l'Église là, gardez-nous qui sont là, parce que notre place. Mais on regarde sur l'église le dimanche prochain pour le chiffre après de là, pour montrer que c'est la maison de Dieu, la maison du Père, et tout le monde est placé ici. C'est une maison de prière, maison aussi pour les pécheurs, parce que nous sommes tous pécheurs. Rendons grâce à Dieu pour notre baptême, qui nous fait participer à la vie du Christ. Rendons-lui grâce aussi pour le deuxième rassemble ce matin la dédicace de la nouvelle église de Saint-Gérard. Après plusieurs années d'efforts, de sacrifices, de travail ardu, parfois interrompu à cause des turbulences sociopolitiques, la belle église de Saint-Gérard est debout. Majestueuse, elle fait la joie des dévoués fidèles de la paroisse. Elle fait la joie du quartier et de toute l'archidiocèse de Port-au-Prince. De nos cœurs s'élève ce refrain que des œuvres sont belles, que des œuvres sont grandes. Seigneur, c'est ton nom de joie. Pour que tu abandonnes ton aimant et qu'il vous donne le nom.